Et yo tout le monde, c'est Fégou. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant de passer à la vidéo, je pense que vous avez remarqué que le décor a un petit peu changé parce que j'ai remarqué qu'il y avait des plantes qui étaient hors champ et tout ça et que ça servait à rien du coup. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de l'édition collector de Chasseurs d'étoiles de Soprano. Allez, c'est parti. Alors, à l'intérieur, déjà, il faut voir qu'il y aura des petits badges ici. Alors, il y aura quoi? Il y aura l'album Chasseur d'étoiles avec deux titres bonus. Les deux titres bonus qui sont Amour des miens et Cher Daniel. Il y aura un t-shirt phosphorescent. Alors, moi, je l'avais commandé en egg sur internet, mais j'ai dû aller chercher en magasin parce qu'il y a eu un problème dans mes commandes. La commande n'est jamais passée en fait. Donc, je ne sais pas s'il ne sera pas un peu petit, mais c'est pas grave. Il y aura un drapeau phosphorescent, quatre badges galactique et un poster. Alors les badges galactiques, je ne sais pas ce que c'est, soit des pins, un truc comme ça. Du coup, c'est parti, go le déballer et à la fin, j'essaierai le t-shirt. Hop là. Alors c'est génial, j'ai abîmé la boîte. Non, ça va, j'ai pas abîmé la boîte, en fait, j'ai juste abîmé ça. Ça me rassure assez. Donc derrière, c'est comme ça en fait. Derrière, une fois que c'est complètement déballé, hop, il y a. C'est juste comme ça derrière et comme ça devant avec le logo. Donc je l'ouvre, c'est parti. Ah, alors, je vous montre. J'ai ouvert, on a ça. Donc ici, ça va être le t-shirt. Ici, on doit avoir le drapeau. Le coffret est très joli. Hein. Ici, on a l'album qui est vachement stylé. Ouais, il est assez sobre, mais assez stylé. Il est différent d'ailleurs, je crois, de. Ah non, non, mais ça, c'est le. Parce qu'il y a un double album. Il a des petits badges qui sont comme ça. Donc, tant que je vous le montre. Allez, donc, go ouvrir. Je vous propose d'ouvrir le t-shirt, voir à quoi il ressemble. Et je le mettrai à la fin de la vidéo. C'est du M, ça risque d'être un peu petit, mais ça garde mal et bien. Mais ce que je vous propose, c'est que je vais mettre maintenant une petite ellipse. Tu vois, c'est du M. Je me dis, peut-être heureusement que c'est du M parce que ça aurait été un peu compliqué si ça n'avait pas été du M et ça avait été du L. Alors le phosphorescent, je ne sais pas si on pourra le tester. Au pire, j'essaierai moi de mon côté dans le noir, mais je ne vais pas tout éteindre exprès pour le tester. Ensuite, on a ici un drapeau. Donc, le drapeau, je verrai pour voir si je peux trouver une place pour le mettre dans le décor. Il y a déjà là, soprano, soprano là, soprano sur la porte que vous ne voyez pas dans le cadre. Puis du soprano partout dans ma chambre et je vais voir pour le mettre là en vrai. Et il n'y avait pas un poster aussi dedans? Attendez, je n'ai pas vu le poster. Normalement, il y a un poster aussi. Plus un poster. Pour l'instant, je n'ai pas vu le poster. On verra après le poster, mais sinon, mais. Et s'il faut, le poster est dedans en fait. Ah, le poster, il doit être dans la pochette de l'album. Alors, le magnifique drapeau avec du coup, c'est le symbole de Chasseur d'étoiles. Très sympa. Je pense que dans le décor, il ira très bien. On verra ça après. Super. Et alors, bon, ça, on va pas les déballer, mais c'est des pins normaux. Hein, mais là, on va déballer l'album et je pense qu'il y a le poster dedans. Et c'est ultra stylé, franchement, ce boîtier collector. Hop. Pouf. Alors, l'album, si on fait ça, ah voilà. On fait ça, on a enlevé, donc j'ai enlevé de ça, tchac, j'ai ça. Et là, je dois avoir le poster qui sent bon, et là, l'album. Le poster, on va le découvrir et vite le replier comme il faut pour pouvoir accrocher comme il faut. Wow, attendez, j'ai pas envie de l'abîmer en fait.
Mais c'est de la qualité, c'est de la qualité ce poster, j'ai l'impression, en plus. Par rapport à d'autres posters. C'est un peu feuille. Ouais, attendez. Ouais, mais il est méga grand en plus. Attendez, j'ai même pas déplié entièrement. Oh, c'est parce que. Il est collé ou quoi? Non, il est pas collé. Voilà, qu'est-ce que je raconte? Tu racontes n'importe quoi, Baptiste. Ouais, c'est Baptiste, c'est mon vrai prénom pour ceux qui ne savaient pas encore. Voilà le poster. Ça tue. Et je vais le mettre à la place de ce poster-là. Mais attends, où est-ce que je pourrais le mettre? J'ai même plus de place en fait pour le mettre. Là en contrebas comme ça peut-être, ou là derrière les étagères, mais ça passe pas derrière les étagères. Bon, je sais même pas où je vais le mettre ce poster, je vais peut-être pas le mettre dans le décor s'il n'y aura pas la place. Ou alors je vais changer avec celui du clown et le mettre en mode comme ça peut-être. Ouais, peut-être que ça passera. Ouais, il est ultra stylé, en plus c'est en mode dessin animé. Donc voilà, on va essayer de le replier sans l'abîmer. Rappelle-moi. J'ai la musique dans la tête parce que j'ai écouté l'album que j'ai téléchargé sur mon téléphone. Ça, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo réaction aux musiques et tout ça où je redécouvrirai les musiques en vidéo. Mais je vous avoue que pour l'instant, je suis pas trop chaud parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur. Enfin, non, si, quoi que je pourrais le faire, hein, mais la vidéo risque d'être démonétisée, quoi. Hop, hop, hop. C'est ultra stylé. Ultra stylé. J'ai envie d'acheter des jouets à mon chat aussi. Je vais en profiter pour faire d'autres vidéos unboxing. Je vous en parle. On va laisser des plier comme ça parce que je ne vais pas y arriver. Là, il va me découvre. Il est ultra beau. On va. Comme tous les albums, on a ça qui s'enlève et je vais pas y arriver en vidéo, vous allez voir. Je suis pas habitué de faire des unboxings. On a ça qui s'enlève et à l'intérieur, on a un petit manuel qui explique le frégate. Nanana, fabrique par machin. Près des étoiles, dingue. Nanana, forest. Bruce qui vit, nanana. Justin Underleck, racine, rappelle-moi. Mon silence, paranoïa. Bonus track, voilà. J'ai hâte d'écouter les bonus tracks parce que pour le coup, dans l'album que j'ai téléchargé, je n'ai pas les bonus tracks parce que les bonus tracks, c'est vraiment pour l'album collector ici. Et le chat, tu vas pas faire de bruit comme ça, ça va pas le faire sinon. Je vais garder bien au chaud cet album de qualité. Je peux vous le dire, je vais y faire méga, hyper gaffe. C'est tout pour cette petite vidéo du coup unboxing, enfin une petite grosse vidéo qui change un peu. Si ça vous intéresse ces unboxings, je pourrais en refaire sur d'autres trucs, notamment acheter des jouets à cet animal là qui est en train, hein, à ce petit chat, à Mademoiselle Poussette, que j'avais présenté sur ma chaîne, qui va très bien. Et peut-être faire des unboxings spéciaux avec elle, du coup spécial jouet pour chat. À vous de me dire si ça vous intéresserait. Sur ce, on se dit ciao tout le monde, c'était Figo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.